18 heures seulement après le départ de Marseille, Alger, la Blanche, apparaît dans toute sa splendeur de grande capitale. L'avion de la ligne régulière Alger-Tunis est le moyen de transport le plus pratique pour se rendre dans le département de Constantine. Ville jeune et moderne, fière de son cours Bertania, cette petite canebière, Beaune s'enorgueillit d'être le troisième port de l'Algérie. C'est là que s'effectue l'embarquement des phosphates de Constantine, dont les mines sont reliées à Beaune par un train électrique. Philippeville, la ville la plus riche de l'Algérie en beaux monuments. Ses environs sont ravissants. Qui donc saurait résister au charme prenant de la petite station de Stora ? Nous serions-nous par hasard égarés dans quelque forêt équatoriale ? Que non pas ! Nous sommes toujours ici, dans la région de Philippeville-la-Jolie. Le marbre est une richesse algérienne en réserve. Dans le département de Constantine, il y a des onyx d'une rare qualité. Le Filfila, près de Philippeville, en est tout veiné dans ses profondeurs. Toujours dans la région philippevilloise, Collo est célèbre pour son liège, un des produits les plus caractéristiques de l'Algérie. Seul le Portugal passe sur le marché mondial avant la colonie dans cette spécialité. Mais la qualité du liège portugais est, dit-on, inférieure à celle du liège constantinois. Terminus de la corniche algérienne, Djidjelli est un petit port extrêmement sûr que les Carthaginois connaissaient bien et une station balnéaire de plus en plus fréquentée. Surnommé déjà par beaucoup d'estiveurs, le Miami algérien. Défilé de 7 à 8 km, taillé en plein roc et dominé par le célèbre pain de sucre, les gorges du Chabet sont peuplées de légendes sinistres. Bougie, capitale maritime des deux Kabylies, se développe rapidement grâce aux richesses minières de ses environs. Djémila, le cuicule de Trajan, était la ville des riches colons romains. Son exhumation est récente. Aujourd'hui, sur les ruines de celle qui fut autrefois la rivale de Pompéi, les moutons paissent en toute quiétude.
Constantine, l'ancienne Cirta, fut la capitale de la Numidie antique. Tour à tour détruite et reconstruite au cours des siècles, dominée par les Romains, les Vandales, les Byzantins et enfin par les Turcs, elle fut prise par les Français en 1837. Nid d'aigle audacieusement bâti sur un rocher, elle constitue une curiosité touristique unique au monde. Dans une région aride et sans vie, dans un paysage presque dantesque, que les ruines majestueuses de l'antique Tébessa rendent encore plus nostalgique, les usines de phosphate du Couif sont venues miraculeusement apporter aux populations indigènes la possibilité d'une existence meilleure. L'Aurès, que vous pourrez traverser pour gagner les oasis du sud constantinois, est assurément la région la plus pittoresque de l'Algérie. Vous serez séduit par l'originalité de Roufi, dont l'hôtel Caravansérail est curieusement accroché à la falaise abrupte. Et la perspective de ces hauts reliefs calcaires, dont les sommets sont souvent surmontés, comme à Banyan, d'habitations étranges appelées Gelas. Les costumes et les mœurs de l'Aurès sont restés ce qu'ils étaient il y a 1000 ans, et la femme au foyer continue à tisser de précieux tapis de haute laine qui seront d'ailleurs appréciés du touriste. Les gorges de Mchounesh, le chemin préféré des caravanes qui remontent vers le nord. البحر ما خليها كانك مسافر البحر ما خليها. Radieuse de lumière, l'oasis de Mchounesh nous annonce déjà les horizons magiques du désert. Biskra, de Deauville du Sahara, étale dans l'immensité blonde des sables sa palmeraie luxuriante et propose à l'étranger le confort de ses hôtels, les nombreuses distractions de son casino ou le calme reposant de son jardin landon. Et pour vous, les Ouled Naïl, au masque impassible, exécuteront les danses d'un caractère sacré qui les ont aujourd'hui rendus célèbres dans le monde entier.
quelle vision vous incitez à revenir bientôt dans ce pays que le romancier anglais Robert Hitchens a si gentiment baptisé le Jardin d'Allah.